Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis à maintenant 17 jours du prochain championnat d'Europe de judo. Donc je vais vous montrer ma journée, comment je m'entraîne et comment je m'alimente pour être prêt le jour J. Mais avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos et pensez à liker la vidéo s'il vous plaît, ça me permet d'être mieux référencé et d'avancer dans le YouTube game. Alors là, je viens de terminer mes 20 bornes de course à pied et 20 bornes de vélo. C'était vraiment parfait. Je suis parti un petit peu tard. Du coup, les couleurs n'étaient pas la même. Et c'est vraiment magnifique. Là, je suis en pleine campagne avec un mélange montagne, jungle et tout. C'est vraiment merveilleux. Le matin, c'est juste vraiment une bénédiction de pouvoir faire ce type de course. Donc là, je suis à quelques jours de mon départ pour l'Europe et vraiment j'ai des sensations ultimes. Je me sens performant, je me sens vraiment affûté. Là, je relance au niveau des carbohydrates donc pour ma diète parce que d'habitude, je relance juste quelques jours avant la compétition. Mais cette fois-ci, je sais qu'il va y avoir un très, très, très gros niveau. Donc je relance avant. Donc là, mon métabolisme, il est à pleine puissance et c'est vraiment super sensation, ça fait vraiment plaisir. Donc, mais après les Europes, on va pas s'arrêter là, il y a des grosses compètes qui arrivent. Vraiment, je ne vous en dis pas plus, je vous garde la surprise, mais ça va vraiment être intense. Vous allez en prendre plein les yeux et vraiment, je suis content qu'on y aille ensemble. Alors pour le petit-déj, on a du poulet, courgettes, poivrons. Là, c'est de la ricama, il y a quelques amandes en dessous, un petit peu de quinoa et un thé de matcha. Alors pour le déjeuner, j'ai du poulet, ricama, courgettes, poivrons, un petit peu de quinoa. Et là en dessert, une glace maison, fraises, framboises, myrtilles, lait d'amande avec quelques amandes et de l'ananas. Ça va être délicieux.